Salut Dédé, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi, ça va nickel. Alors aujourd'hui, on est sur un nid de frelons asiatiques énorme. Vous avez vu l'image en début? On voit un morceau du nid sur la toiture. Mais je ne vais pas monter sur le toit. Là, on est dans une pièce. Voilà, les frelons sortent par cette fenêtre. Sortent par l'ouverture qu'il y a sur le toit. Et vous n'allez peut-être pas le voir parce que c'est sombre. Mais il y a un énorme nid de frelons en haut. Il va falloir que je mette l'échelle et que je traite ça. Mais je vous garantis qu'il est gros. Allez, je m'habille et je vous montre ça. Allez, c'est parti pour le combat. Allez, ça va être chaud patate. Je sais pas si vous voyez bien, on est un peu dans le sombre, il n'y a pas de lumière. Alors j'ai essayé de mettre la lumière en haut. Allez, on va monter doucement. Alors j'ai une deuxième GoPro, je vais voir si je peux l'accrocher quelque part pour essayer de vous montrer un maximum d'images. Donc vous avez vu, le morceau de nid est à l'extérieur, c'est comme ça qu'il en a vu. Après il a voulu refaire de l'isolation dans cette pièce et il a vu la grosse boule en hauteur. Donc automatiquement, ils ont tout arrêté. Alors, j'ai mis une petite lupiote. Les frelons pour l'instant ils s'occupent de la lumière. Allez, je vous montre le nid. Regardez-moi ce monstre. Ça reste quand même impressionnant. Pourtant on dit que c'est pas attiré par la lumière mais. L'asiatique, mais là il s'est dit ça fait chier. Donc là il y en a qui attaquent ma tête. Bon, vous avez vu ce monstre, c'est un monstre, je n'en ai pas justement pris. C'est un truc de fou. Bon, je me fais attaquer. Allez, on va essayer d'envoyer la poudre à plusieurs endroits là parce que. Voilà ce que ça donne. Allez, le bruit, ça s'énerve. Je vous dis que l'isolation est assez gros. Donc à mon avis, il y en a beaucoup qui va sortir par le toit. Regardez-moi juste là, juste de mon doigt, c'est l'entrée principale là. Ben, ça reste un truc de fou. Et je reviens. Bon, les dédés pendant que le produit agit, on va attendre un petit peu et après on va ouvrir le nid pour voir ce qu'il y a dedans. Et ben, pendant ce temps, ben, je vais lire un petit livre. Je ne sais pas si vous connaissez Fabien Olika, c'est un youtubeur mentaliste qui fait des spectacles et tout ça. Et franchement, votre temps est infini. Ça vous apprend un peu à gérer votre temps. Donc je ne l'ai pas lu encore entier, mais franchement il vaut le coup. Je vous conseille fortement, c'est vraiment d'aller voir. Et peut-être de l'acheter. Voilà. Il y aura un lien dans la description si vous êtes intéressé. Et pendant ce temps, je vais le lire. J'avoue que c'est pas facile. Hein.
Vous faites trop de bruit les frelons là. Vous faites un peu trop de bruit. Hein. Franchement, c'est pénible. Hein. Franchement, c'est hyper intéressant. Alors, c'est pas un placement de produit, hein. C'est juste que j'adore sa chaîne. J'adore le personnage, je vais le voir en spectacle bientôt, là, le 20 novembre. Donc c'est pour ça que je lui fais une petite pub sur son livre. Voilà, c'est pour, c'est gratuit, c'est pour amitié. Allez, n'hésitez pas à l'acheter, n'hésitez pas à le lire, franchement, ça vaut le coup. Voilà, vous avez le lien dans la description. Allez, on va ouvrir un peu le nid. Regardez-moi ça, sur le micro. Essaye, il arrache mon micro. Regarde ça. Alors, qu'est-ce que t'en penses? Ça, arracher mon micro, je suis pas d'accord. Grâce à moi, vous passez sur YouTube. Allez, on va ouvrir ça. Allez, regardez-moi tout ce qu'il y a dedans. On va récupérer l'autre caméra. On va laisser agir. Allez. Bon. J'espère que cette petite. Ah, on va s'éclairer, on va dire au revoir. Ça sera plus simple parce qu'après il faut que je range tout. Alors, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. N'hésitez pas à la partager, à dire ce que vous en pensez. Et moi, je vous fais plein de gros bisous. À bientôt, les Dédés.